nouvelle petite séquence avec Guy, le Carlos Cassis de l'État. Donc le speaker, voilà, pas le speaker du Stade de l'Aube, mais la salle omnisport. Non, je suis pas au niveau de Carlos quand même. Numéro 8 et capitaine, Romain Garnier. Numéro 16, Magique Louf. Bon, dis-moi, et toi, le fait que tu fasses speaker, c'est pour donner un coup de main, pour, bah, en fait, pour l'amour aussi et la passion de... En fait, je fais speaker, je fais l'intendance, on fait les déplacements, on est toujours à côté des gars, notamment avec ma femme aussi, qui tient la table en déplacement. Donc, amoureux du hand depuis... Ancien handballeur. Ma première licence, je l'ai eue à 6 ans et je l'ai encore aujourd'hui et j'en ai 52. Je vous demande d'encourager notre équipe dans le meilleur esprit possible. Et alors, ce métier de, entre guillemets, de speaker, ça consiste en quoi alors? Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc, je présente en fait... je remercie déjà le public d'être présent, bien sûr. Hein. Remercier nos partenaires, les joueurs qui arrivent aussi des autres équipes, hein, les supporters des autres équipes, et puis encourager notre équipe, et puis que le sport gagne. Nous pouvons encore remercier tous nos partenaires, notamment encore ce soir notre télé presque nationale. Et pendant le match, alors, donc, tu vas faire des annonces et tout ça avant le match? Pendant le match, je suis tellement un supporter très, très engagé, je lâche le micro. Ouais. Voilà. Parce que j'annonce pas donc à chaque fois. Non, j'annonce pas. Bah, peut-être qu'un jour ce sera une demande du club. Ouais. Bon, peut-être que ce sera plus moi, mais pour l'instant j'ai des pannes. D'accord. Si je m'investis un petit peu dedans, je dis pourquoi pas, mais. Tu vas y prendre goût au micro dehors. Oui, c'est possible. Mais bon, c'est pas toujours facile. Donc là on va te voir à l'œuvre, non? Le match il va falloir que je me dépêche un petit chaud, peu là, parce que chaud. Là c'est un petit peu chaud. Hein. Bon, bah, moi j'ai été retardé par Canal 32, mais bon, j'en voudrais pas à Seb ni à son caméraman. C'est gentil. Et puis je vous remercie quand même. Et bon match à tous.